Oui. Oui, je voudrais dire un mot, si possible, là, tout de suite. Oui, oui, oui. C'est évidemment très... Oui, c'est évidemment très, très émouvant, comme vous l'imaginez. Il se trouve que nous étions en retard parce que nous étions en brousse, donc nous n'étions pas très au courant. Lucy in the Sky, ça doit être de 67 ou quelque chose comme ça. On était en 74, donc on était un peu en retard. On avait une vieille radio, on arrivait à attraper, sûrement pas les ondes françaises, on attrapait Radio Addis Abeba, c'est déjà quelque chose. On attrapait Radio Khartoum, et quelquefois Radio Port-Soudan. Et autrement, on avait des, ce qu'on appelait des cassettes, la cassette des Beatles, d'où Lucy in the Sky. Et ce qu'il faut savoir, c'était charmant ici, tous ces petits jeunes gens, et ces tout petits jeunes gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lucy, à l'origine, s'appelait AL-288. Oh, très beau, hein. Ça voulait dire Afar, Lucy, non, c'est pas vrai. Afar, localité 288. Parce que nous avions simplement un catalogue de numération des sites et puis des découvertes. Donc Lucie n'est venue qu'ensuite et Lucie est devenue plus poétique que ne l'était 288. En tout cas, c'est très. Merci beaucoup de cet accueil. Et donc, je vais me permettre de conclure. On est là pour vous. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut effectivement.